Salut les Marlous, c'est Tivelius du 12, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 9 de Bully Scholarship Edition, toujours sur PC. Et on a le choix entre trois missions, donc Altric contre Galloway, la grosse commission, je crois qu'on va faire celle-là, ou Daily Miner. En sachant que... sachant qu'il y en a un là, et deux autres je sais pas du tout où est-ce qu'ils sont, bon. Ça c'est cool. Ah, ok, c'est là. Bon. Et c'est vrai, il nous avait début de chapitre 2, le dernier épisode de celui d'avant. Il avait demandé de faire des commissions avec Antienne, donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Ah, dégueulasse. Nice. Ah, shut up, kid. It adds flavor to it. You wanna give it a go? Sure. Try and get some bits in it. I've got performance anxiety. Get used to it, kid. You're a man. It's all downhill from here, my friend. Anyway, what do you want? Nothing. The head sent me. He did? Oh, yeah! I need you to go to town and pick up some meat and other things for me. Otherwise, I'm gonna have to put one of Ms. Phillips' cats in the casserole again. Okay. let me see. I need some meat from Yum Yum Market. Oh, and a razor from the barber's for my stash. And, oh yeah, some new knickers from Worn In. I've had these on since last term. hurry up! Go, take my bike. It's that fine machine out there by the school gates. All right. Ah bah ouais. Si l'ingénieur était là. On va prendre ton vélo. Eh, pousse-toi. Donc nous allons sortir pour la première fois de l'école. Alors... ok, déjà je pars dans la mauvaise direction, ça va pas le faire. Ok, c'est comme dans GTA San Andreas. N'occupez-vous pas de moi. Alors... droit encore, ok. Là, c'est un vieux jeu. Désolé, trompé. Désolé. C'est une queue, je crois qu'il fallait. What the f- avec ça? Qu'est-ce qu'il fallait que j'achète déjà? Récupérer la culotte. Et pas la culotte? Don't get into any trouble now. Ah, yes. Il est où? Ah, you come for the Hermann, yes? Oh, c'est plus tard, désolé.
my eye on you. So much stuff just lying around. Je peux pas acheter des vêtements, non. Et encore ce foutu anglais. Oh. De l'autre côté. Poussez-vous, guys. Pas encore fermé, je crois. Bon, ça va. You better use that meat soon. The clerk said it expires at midnight. C'est dégueulasse, cette femme. Faut genre acheter des fleurs et du chocolat, c'est déjà ça. Ok, ça marche. Why is this stuff lying around everywhere? Il va. Pousse-toi. Pousse-toi. 7 heures. Perdu un homme, mais ce qui s'appelle Georges, perdu près de la cantine. Dommage, Lucky. Malheureusement, je ne te saurai d'aucun secours. Allez! Je gagne une boîte de chocolat, nickel. Et on y va. Encore une ouais, on va éviter, je crois, celle-là. C'est un peu loin. Bon, bah, je crois que finalement, bah, on va aller dormir. Bonne journée. Avant, on va faire une petite partie de foot. What's up, man? Ou t'as, ouais, pourquoi pas même une partie de jeu. Un vieux jeu, allez. Vite fait. Alors. Accélérer, diriger, tirer. Ah, on peut tirer, yes.
Tu veux partir? Ouais, bah on va faire ça alors. Ça c'est pas de bol. Allez, c'est plus chaud. Allez, un boost, ok. J'aime pas passer le haut du monde qui passe. Merde. Il y a un tour. Bon, finalement ce fut facile. Ouais, vive la course suivante. Hey. Ça va nous faire passer la soirée. À geeker. Là, c'était bien joué, bien joué. Je suis toujours premier, je sais pas pourquoi. J'ai eu peur. Je précise quand même que j'ai déjà fait en off, c'est pour ça que je me permets de le refaire. Bon, c'est un peu comme sur les GTA, il y a quelques activités annexes qui sont ma foi pas mal. Ah oh. Là aussi. Courcy, leur gain, voilà, n'y va pas non plus. C'est pas très difficile. Ouais, on remarque, prêt. C'est parti. Ça, c'est du raccourci. C'est bien ces petits raccourcis là. Évite de faire. Coup de bol. Déjà 3 secondes. Oh. Raté. Thank you.
Là aussi, ce fut facile. J'ai gagné. Future Street Racer 3245 dans votre salle d'arcade. Ah, très bien. Un jeu de 1995. Il est minuit déjà. C'est beau. Hop, sur ce. Visa Panoply. Et des pétards. Et on va aller dormir. Avec des rats. C'est pas mal aussi. Ensuite on va aller en cours. Bon, on va sauvegarder. On est à combien alors? 9% 21. Ok. Très bien. Peut-être pour aller en cours vite fait. Ensuite on verra. On fera ça plus tard. Hey, sweet cheeks. Je? Alors cette étoile, je sais pas. Ah oui, ok, l'illumineur, et là c'est Altric contre Galloway. Est-ce que c'est par ici? Oui. Il me semble, ouais. Pas ça tout à l'heure. Mais avant, on va aller en cours. Et mon cours est là. Et en bas. Hail. C'est... We've got a lot of work before us today. Yeah. Take care to follow my instructions precisely, as we will be working with volatile chemicals today. Fascinating, isn't it? Up the good work. You're almost done. Oh, bah, ce fut facile encore. Alors, qu'est-ce que j'ai validé? Aussi. Pour la gratter. Oh, 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 oh. Ça, c'est pas beau. Pour la gratter. Fait son RPS quand même. Quoi? You have nice lips. Deux fois de suite. Ah non, ça marche pas deux fois de suite. C'est trop beau. Eh bien. On va aller voir. Altric contre Galloway. L'anglais. Encore l'anglais. Ah. J'aime pas l'anglais. School rules are quite clear on this subject. Quite clear. No alcohol on school grounds. You're drunk. I can smell it on your breath. I can see it in your eyes. I'm not drunk. Drunk? In charge of children. What kind of monster drinks in front of children? A parent? A disgraceful one, yes. You've got a problem, haven't you? I'm just under a lot of pressure. Well, I'm a kind and supportive colleague, Galloway. And as such,
I think it is my duty to get you sacked. Do whatever you want, Hattrick. You always do. The head will find out about this. You okay, sir? Jimmy. No, I'm not okay. I'm half drunk and I'm about to get fired. Fantastic. Oh, I'm a washed up old drunk and I'm only 34. What you think, English, you see, is a difficult subject to teach. I've tried any number of things to dull the pain. Yoga, meditation, needlepoint, looking at dubious sites on the internet. But nothing dulls the pain like scotch. Come on, sir, put that away. Are you mad? This is manna from the gods! Give me that! Let's get rid of this before you get busted. That's very kind of you, Jimmy. Miss Phillips is the only teacher to know about my vice. Take it to her. She will know what to do. Revidoir. Salut. Donc en gros, tu vas faire ça, mais pour rien. Mal ça. Ils vont pas trouver les autres. Alors, il y a une bouteille dans la cantine. Très bien. Là, il y a... savoir où est-ce... Ça se trouve, je suis en train de passer deux fois devant, j'ai toujours pas vu. I think this is the year that someone finally loses it. I think I'm not getting any time off this year. Oula. Je fais n'importe quoi. Oh là là là, c'est du grand n'importe quoi. Du grand n'importe quoi. Ah, bouge en anglais, très bien. Ça me va. Tant mieux, merci monsieur. Hello class. The curriculum demands that you do these vocabulary assignments. Why do you finish them here in class? That way you'll have more free time. Évite ruché. Je sors mon anti-sèche. Parce que bon, c'est du grand n'importe quoi. Et quand je vois qu'il y a la moitié des mots qui sont pas français du tout. Donc par exemple le mot tube, ça. Good show. Aussi le mot piqué. Well done. Le mot bic, tant qu'à faire. That's right. Bic, le mot le mot anglais quiet. J'ai déjà trouvé. Good one. Le mot tic. Le mot beat qui ne marche pas d'ailleurs. Ce qui paraît, il est bon. Le mot but. Le buté plutôt. Le mot étui. J'avais pas vu. Le mot tube aussi. Le mot bit, donc informatique. Mot but, alors là j'ai pas compris. Tu t'étonnes que personne ne le trouve. Et aussi le mot but. Aussi le mot u. Du verbe avoir. Et il y a que. Également.
qui. Et le dernier, ça doit être Q. Et voilà. Bon, qu'est-ce que j'ai gagné? Ah. Beg for mercy. I didn't mean to piss you off. Stupid. What girl love Russell? Like that. Ain't no stopping Jimmy Hopkins. Oh, hello, fellow student. Donc je crois que j'ai tout perdu. C'est trop beau. J'ai encore un truc contre Galloway. Ok. Ça. Ensuite, on va s'arrêter là. Est-ce que j'ai été con ? School rules are quite clear on this subject. Donc, il y en a une là. La cuisine. Mais où est-ce qu'elle est ? C'est un mystère. Ça, pourquoi est-ce qu'il a planqué sa foutue bouteille? Excusez-moi, madame. Non, fais que pas ailleurs. Désolé. Je sais plus comment tu t'appelles. C'est toi. Madame, m'en vais directement. Elle est pas vue, elle. Je suis idée à la con. Oh, elle est vite partie. Bon, coup sûr. Des cabines, voilà. Notre lion ou ça? Salut Angie. On va savoir ce qu'elle est. C'est foutu bouteille. Ah, elle est là, ok. Voilà.
Oui. It's like I'm a stealth ninja. Sacré Jimmy. On va faire le fifou. Tu veux pas? On va devoir recrocheter alors. Il est parti où? T'es barré ou quoi? Ou il a été viré? Je sais pas. Où est-ce qu'il s'est barré? Appareil photo. Très bien. No sweat. Alors y'a quoi comme petit boulot vite fait? On fera ça au prochain épisode. Y'a un truc là, une course là. Rien d'autre? C'est plus tard. Livre dans le journal. J'ai des défis des bourges. Donc on verra ça plus tard. Donc ben sur ce, on se dit à bientôt pour le 10e épisode de Lee. Donc sur ce, portez-vous bien et surtout faites gaffe aux pétards. Tchuss.